le lac de Ribou est envahi par ces algues toxiques ou cyanobactéries qui flottent à la surface. Si la pêche et les embarcations sont tolérées, en cas de contact, gare aux crises d'urticaire. Je prends mes précautions, j'ai amené un seau, c'est mono personnel de chez moi, je me lave les mains, je prends toutes les précautions. D'ailleurs, c'est bien signalé qu'il faut bien respecter. Maintenant, malheureusement, c'est comme ça tous les étés. Cause de leur prolifération, l'abondance des matières organiques dans le lac, une eau stagnante et les fortes chaleurs de ces derniers jours. D'habitude, c'est un phénomène qui n'apparaît que mi-août, voire fin août, tout le mois de septembre, après le réchauffement estival. Là, on a eu, souvenez-vous, une très très forte vague de chaleur, une seconde s'annonce. À la demande de l'Agence régionale de santé, la communauté d'agglomération du Choletais réalise des contrôles réguliers, 2 à 3 fois par semaine, pour informer et rassurer la population, notamment sur la consommation d'eau potable dont le lac est une réserve. L'usine d'eau potable qui se situe un petit peu plus en aval du côté du barrage n'est absolument pas impactée. En fait, elle a des dispositifs de filtration et les cyanobactéries, pour elle, ne sont pas vraiment le problème. Voilà. Au lac du Verdon, à quelques kilomètres, alerte rouge, pas un pêcheur ni un poisson en vue. Ces derniers jours, on n'observe aucune activité. Aucune chasse de perche, aucun poisson qui gobe. Alors qu'à la tombée de la nuit, quand l'eau est calme, on voit du poisson qui est actif. La pêche et toute activité nautique sont interdites sur le site jusqu'à nouvel ordre.